Für ein paar Tage hatten wir halt zu Lützburg ein ganz spezielles Event. Der 40. Geburtstag von der Europäischen Volkspartei, die größten Familienpartei an Europa. Und dafür war so ein spezieller Moment gelungen. Ich sitze nämlich heute zusammen mit dem Präsident von der Europäischen Volkspartei, mein Freund Joseph Daul. Der Joseph ist ein Politiker, den alles schon gemacht hat. Er war an seinem Leben Alsass Bürgermeister. Er war auch Präsident von der Föderation von der Agrikultur, und zwar am Randbereich. Das war voll, das hat ihn gelesen. Und dann war er 7,5 Jahre Präsident vom politischen Gruppe von der EVP am Europaparlament, die größte Gruppe, an der Lotzenter 4 Jahre Präsident von der EVP. Joseph. Guten Morgen. Salut. Ja, als Elsässer schwätzt du noch Lützburg. Genau. Und verstehe dich doch. Genau. Mais c'est peut-être mieux de passer un peu au français, parce que tu es quand même français aussi, sauf d'être Alsacien, et puis tu es européen. Et puis tu as fait le discours principal à Luxembourg pour les 40 ans du Parti populaire européen. 40 ans dans la vie d'une famille politique, qu'est-ce que ça veut dire? 40 ans, je crois qu'on avait une chance. Que les pères fondateurs de l'Europe, c'était des partis populaires européens. Pense à Konrad Adenauer, pense à Robert Schuman, de Gasperi. C'est des personnes quand même qui, après la guerre, ont décidé plus jamais ça. Et on l'oublie souvent. Mais je crois qu'il faut dire un mot à nos concitoyens, et surtout luxembourgeois et alsaciens, que l'Europe, depuis que ces personnes se sont occupées en disant ne plus jamais ça, nous avons pu vivre 60 années de paix et de prospérité. Et on l'oublie aujourd'hui dans les circonstances que nous vivons. Mais c'est quand même important. Et ce parti, est parti sur des valeurs humanistes, de famille et de chrétienté. Je crois qu'on n'a pas, et qu'on ne le dit pas assez, sur une démocratie sociale. Nous avons aussi tenu compte toujours au niveau social, au niveau famille. Et c'est ça la base, et c'est ça qu'il faut continuer, malgré tout ce qui tourne autour de nous. Cette base et ce socle, nous allons continuer à le défendre. Et nous avons, avec la défense de ce socle, en mettant l'être humain au centre de nos préoccupations politiques, de notre action politique, nous avons réussi à devenir le plus grand parti politique européen, qui est celui qui domine aussi au Parlement européen. Nous avons eu le plus grand parti. Et aussi, ça veut dire le plus grand parti, nous avons aussi pris nos responsabilités. Et parmi ces femmes et ces hommes responsables, tu en fais partie, bien sûr, tu étais commissaire au niveau de la Commission. Nous avions eu Jacques Santer, président de la Commission. Nous avons maintenant notre ami Jean-Claude Juncker qui préside la Commission dans ces temps difficiles. Et on voit très bien que le PPE, là où il est au pouvoir, dans les différents pays, même dans les difficultés, même si on a des problèmes de se faire réélire à certains moments, c'est quand même le Parti populaire européen, avec ses bases et ses valeurs, qui tient. En 2014, lorsqu'il y a eu pour la première fois ce système des Spitzenkandidaten, les partis populaires au niveau européen ont fait une campagne électorale européenne qui a débouché sur la promesse tenue que le parti le plus fort aurait le président de la Commission. Comment est venue cette idée et est-ce que cette idée va vivre? Mais Spitzenkandidat, j'en suis très fier. Premièrement, au niveau du PPE, nous étions là aussi encore les premiers. Nous avions plusieurs candidats et nous sommes allés à Dublin pour choisir notre candidat. Et bien sûr, Jean-Claude Juncker était candidat, Michel Barnier était candidat, deux amis qui se sont posés, c'est ça aussi la démocratie, à l'intérieur du parti, c'est le seul parti d'ailleurs qui a fait ça, et je crois Spitzenkandidat, c'est important qu'on ait une figure à la tête de l'Europe. Et ça, qui de mieux que Jean-Claude Juncker? Donc un visage. Il faut un visage, oui. Et aussi une personne qui a déjà travaillé, où on connaît les valeurs, et je crois que nous avons bien choisi dans ces moments difficiles le Spitzenkandidat Jean-Claude Juncker.
Et ça va continuer, dans le sens que ce système qui a été mis en place pour donner un visage à l'Europe, et aujourd'hui ce visage c'est Jean-Claude, le PPE va œuvrer pour que la prochaine fois ce sera encore mieux fait, qu'il y aura une vraie campagne électorale pan-européenne. Tu sais ma chère Viviane, quand j'écoute aujourd'hui un petit peu autour de moi, ça dérange beaucoup de gens, même dans notre camp. Qu'on met ce visage de l'Europe. On préfère, il y en a certains qui préfèrent faire ça un petit peu dans leur petite cuisine, dans leur marmite, mais nous continuerons à nous battre, nous avons instauré cela et nous allons continuer pour les prochaines élections européennes à donner cette vision et cette image pour l'Europe. Was ganz wichtig ist, ist das, was der Präsident zum Schluss gesagt hat. Europa hat Probleme. Wir haben alle gute Probleme dort am Markt. Aber was zählt, dass die Leute die wissen, wo es hier geht. Auch wenn es mal ein bisschen schlecht geht. Die DVP geht an die richtige Direktion, für das Europa zusammenzuhalten, für das Europa zu stärken. Er lässt sich auch nicht aus der Bund gehen, wenn es mal ein Kehr ein bisschen schwer ist. Und dafür brauchen Staatsmänner, es brauchen Leute, die Politik kennen, die Leute brauchen aber auch Leute, die etwas von Werte halten, an die Werte an Politik abbringen. Und dafür ist es so gut, dass wir Joseph als Präsident von der EVP holen. Merci, Joseph. Vielen Dank.